Il y en a que quand vous vous mariez. Vous vous mariez et vous entrez dans une maison qui est faite sur 50 étages de mauvaises choses. Donc quand tu entres dans la maison de ton mari, on sait, tu peux avoir la paix pendant 10 ans, 15 ans. Quand ça se lève le tout comme ça là, et ça se lève même peut-être quand toi tu commences à ouvrir les yeux. C'est là qu'on m'a dit, hey, pourquoi est-ce qu'elle veut qu'il ait l'argent? Parce qu'il y a certains hommes que quand vous épousez, qu'on a déclaré que l'homme ne va pas déplacer tel seuil. On voit, tu viens dans sa vie, tu commences à ouvrir ses yeux. On dit, mais la femme, tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer que quoi? Lui, on avait attaché son père, il est mort. Le grand-père, même, il n'a rien fait. Ou bien on a manipulé son père, il est là-bas aussi, comme ça, là, avec sa mère, il ne fout rien. Donc quand tu viens, tu commences pas à ouvrir ses yeux. Voilà, tu fais qu'il construise une grande maison. Après, on vient même encore te faire sortir la propre maison, là. Avec son assistance. C'est un mariage quand vous entrez sur un lit de cadavres et de malédictions. Que toi-même, tu portes d'abord ta part pour aller là-bas dedans avec, que ta mère n'a rien fait. Ta mère était simpleton. Toi-même, tu étais simpleton avant de te marier. Tu fais 10 ans de simpleton, de tous ces simpletonnements dans ton mariage. Donc, j'ai une dame devant moi qui me dit que elle a fait le jeûne qu'on a fait là. Vous voyez le jeûne qu'on a fait, le jeûne là que vous connaissez, dans les 3 jours qu'on a fait sans manger, sans boire. Elle a fait. Et c'était grave jusqu'à son mari. Et le problème jusqu'à c'était grave. Maintenant, elle m'explique, elle dit, ma chérie, mais attends un peu. Ton jeûne a provoqué trop de démons qu'on avait mis. Tu verses le sel à la maison, tu parles. Tu verses l'eau, tu parles. Tu crois qu'ils seront contents? Ce sont ces démons-là qui ont voulu faire que, maintenant, le lendemain de ce jeûne-là que tu as fini, lui-même, il te vit, il veut te mettre à la porte. Il dit que tu ne vas pas partir. Tu vas repartir là-bas. Dans le spirituel, tu dois comprendre que c'est un peu comme le physique, non? Quand tu prends la poule, tu prends un peu une poule, tu coupes sa tête, tu la laisses dans la cour courir. Elle ne va pas se coucher, mourir. Elle va se débattre, marcher partout. Alors qu'elle passe sa tête, tu sais, elle est. Dans le spirituel, quand tu attaques jusqu'à tu as touché le cœur de quelque chose, tu vas voir. Vous voyez, les mariages sont bien. Vous voyez une femme avec son mari, ils ont 50 ans chacun. Vous voyez comme si ça s'est, chérie, chérie. La femme ne t'a pas dit les combats qu'elle a fait. Elle ne t'a pas dit les combats, les jeunes de 9 jours qu'elle a tapé comme ça là. Partir au village, se coucher comme ça là, que tant que vous ne résolvez pas ma situation avec mon mari, tant que Sandrine ne sort pas de la vie de mon mari, je ne vais pas me lever de cet endroit-ci. Ma chérie, tu ne vas partir nulle part. Tu vas rentrer tu rentres qu'il a ouvert la porte, tu rentres juste pas, tu laves, tu fais comme si de rien n'était. Ne cherche même pas à adresser la chose. Le lendemain encore, quand il est sorti, il est parti, tu prends encore le sel là, tu pries. Tu parles, tu les chasses de la maison. Tu dis, sortez de mon foyer. Sortez de mon foyer. Il y a les bâtards ici dehors. Puisqu'on avait dit que toi et ton mari, vous n'avez jamais dépassé un certain seuil. Vous n'allez jamais avoir la voiture. Te voilà que tu pries, il commence à avoir les promotions au boulot. Tu pries, tu jeûnes, promotion pour mon mari. Il rentre comme ça. C'est vrai qu'il ne va pas savoir que c'est toi qui as prié pour lui. Il va savoir, mais il te dit, oh, on m'a donné ça. Telle chose marche. Maintenant, les décepticons vont quitter derrière. Dis que, elle a même fait quoi dans la vie de notre frère? Ta femme là. Écoutez, les soeurs et frères manipulent leurs frères. Dans le mariage là. Les mères manipulent leurs fils. Et il y a des personnes que elles ont une emprise sur leur fils de telle façon que elle n'a même pas besoin de bâtir le marabout. Que quand elle parle comme ça là, ça résonne dans le corps de son fils. Il ne peut qu'écouter ce qu'elle dit. Tu viens te marier de la famille là, ma chérie. Tu ne dois pas blaguer. Et vous ne connaissez pas déjà le combat dans lequel vous engagez. Et il y a les mères qui sont les bonnes sorcières, elles sont assises sur la vie de leur enfant. Que tu ne seras jamais heureux. Ou c'est qu'elle est la femme de son fils. Donc voilà, tu viens. Tu remarques quand tu parles, oui, vous vous entendez bien dans la chambre. Demain, tu vois, il a bâti, fait un truc, il t'a pas dit. Une hier m'a appelé comme ça, dévastée. Elle dit qu'elle est dépassée. Elle rentre à la maison, elle est sortie par le boulot, elle rentre à la maison, elle sent les produits des marabouts. Elle sent ça dans la maison, elle dit, mais c'est quoi ça? Ça fait pas quelques heures, elle a des problèmes avec son mari. Il sort, il part. Il sort de la maison, il part.
Elle m'appelle ce matin, elle dit qu'il est revenu. Après, il est ressorti, il est parti encore. Elle dit que ma chérie, le sel que vous versez dans vos maisons, là, vous parlez. Parce que quand un homme et toi, vous prenez votre maison, écoutez, c'est toi qui commandes cette maison-là. Tu peux commander la paix dans ta maison. Tu peux commander la paix dans ton foyer. Tu fais comme ça, tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les portes, tu déclares que tout démon dans cette maison. Somme 35, tu prends l'eau tanguille, tu mets le sel dedans. Tu parles, tu lis le somme là, 35 et 37, tu verses au centre de la maison. Tout homme fort, toute femme forte qui est assise dans la vie de mon mari ou dans ma propre vie, je déclare que vous êtes démasqué et je vous commande de sortir. Il y a l'autre qui m'a donné son témoignage ce matin. Elle me dit qu'elle a fait ça. Elle était encore, elle dort, elle était sur le lit. Elle attend que le logement social avec son fils en France. Dans la nuit, elle voit comment les gens habillés en noir sont sortis par la fenêtre de sa maison. Elle se voit coucher. Elle dit que l'autre vient tirer son matelas en bas de son matelas, dans le rêve. Elle voit comment elle est couchée là. Elle voit dans le rêve comment vient tirer l'autre son matelas. L'autre vient tirer son matelas en dessous de son matelas à elle. Et il sort par la fenêtre. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Parce que quand vous faites, vous venez me regarder comme la télé. Si vous voulez faire la télé, c'est que je n'ai pas mis le make-up. Je mets la brésilienne qui est longue comme ça, là, ça touche mes fesses. Vous venez, vous me regardez, vous dites, oh, tu es belle. Je ne suis pas là pour ça. Parce que après, ma beauté ne va pas faire que votre mariage marche. Ma beauté ne va pas arranger votre maison. On lance souvent l'animosité entre ton mari et toi de telle façon que tu restes comme ça et tu sens comment tu détestes ton mari. Tu te lèves le matin, on s'arrête et pointe vous. Il te parle, il t'énerve seulement. Tu fais n'importe comment, il t'énerve. Tu sens comment quelque chose monte en toi. Et si lui-même il est honnête, il te dit, il va te dire que là, il a la même chose qui lui arrive. Vous croyez que les gens vous aiment? Ok, croyez toujours. Quand il dit ma part, vous croyez que je suis folle? Non? Croyez toujours. Tu es venu, tu as fait jusqu'à l'homme. L'homme là, il a commencé à construire la maison. Alors qu'on avait dit qu'il ne devait pas construire la maison. Le père laisse comme ça, là. Ils sont venus ouvrir la porte, non? Pendant, reprenez la poussière, vous la mettez à l'intérieur. Pour? L'argent n'a pas suffi. Il n'y a pas de problème, on va te donner l'argent là-bas. Oui. L'enfant va te demander, il va dire à Aurélie que... Aurélie! Le corps là, on fait comment? Oh yo, non. Je suis en train de faire le direct, papa. Ah, ok. Oh yo, pardon. Oh yo, non. Aurélie! Il y aura 10 000 bouts. Non, quoi, tu m'as dit, tu es ici. Lundi ou mardi? Ils ont dit que tu n'appelles pas lundi. C'est mardi. D'accord. Va dire à Aurélie qu'elle prend 10 000 francs dans mon bureau. Elle donne au papa. Oh. Go, je go, pop the cap. Pardon. Go, hakap bou. Oh, kung cap, même moi j'aime. Bye. D'accord. Toi, il dit les choses ici. Elle va entrer là-bas dedans pour pondre. Les Decepticons. Tu connais les Decepticons? Écoutez, vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Parfois, tu arrives dans la maison, dans la vie d'un homme comme ça, tu le rencontres, tu vois, il est beau. Il a les diplômes. Il se débrouille. Mais que sa propre famille, ses frères, ses soeurs là, ils sont allés le gâter. Maintenant, toi, le voilà là-bas. Toi, tu commences à le conseiller. Tu lui parles. Tu l'entretiens. Il rentre avec l'argent, il te donne, tu gères l'argent. Vous commencez à évoluer. Ça ne plaît pas aux gens. Parce que certains de vos maris qu'on a déjà dit dans leur famille qu'il va finir vaurien. On connaît qu'il va finir comme un vaurien. Toi, tu viens
Et comme tu as l'autorité, sa mère aussi a l'autorité. Et c'est fou parce que certains de vos maris, ils vous aiment parce que vous avez l'autorité comme leur mère. C'est fou parce que... Il t'a aimé parce que tu es comme sa mère. Maintenant, elle voit que, ok. Donc, il va avoir l'argent, il va acheter plutôt les choses à la femme là. Il va construire une belle maison alors qu'il n'a pas encore construit ma part. Ma mère, tu m'écoutes, tu as ton fils. Pourquoi tu veux qu'il laisse, il dort dans le carabot, il vient construire ta part de maison d'abord? Pourquoi? Hein? Persécution. Quand tu arrives chez eux comme ça, là, à l'improviste, tu vois comment ils s'entendent, ils se foutent. Hey, il y a l'entente dans la maison, ça ne te plaît pas. Il y a les mecs qui sont jalouses, hein. Très jalouses. Et je dis que si elle est jalouse, que tu vois physiquement, combien de fois derrière alors? Si physiquement la personne n'arrive pas à cacher. Ne soyez pas les bêtetons, pardon. Donc vraiment, vous allez repartir là-bas, vous allez continuer la prière que vous avez commencé là. Ouvrez la porte, ils entrent alors. Et que le petit là, ne les fait plus sortir. Ma chérie, la poule ne passe pas ici, pas là-bas. Que la mère reste comme ça. Elle dit que non. Mais le petit, cela fait comment, non? Va loin là-bas dedans. Elles vont le voir, elles vont pas venir. Elle voit comme ça, elle dit que non, mon fils ne peut pas. Même la voiture, hein. Que tu as une belle voiture, ça veut dire que tu vas entrer avec elle. Toi, sors de là, sors. C'est toi qui as fait que la poule sorte de là-bas. Elle n'est pas ici. Elle va entrer. Prends le fer si la poule est chassée avec nous. On veut que les poules entrent au poulailler. C'est en train de me distraire ici. Vous allez reprendre les prières que vous avez commencées. Vous allez reprendre les prières là. Toi, tu devais. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais de vous? Tiens, le fer-ci, soulève le fer là. Tu vas bloquer les poules avec ça. Mais vous n'avez pas la sagesse aujourd'hui. Comment les enfants? Vous ne reversez pas aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Non, laisse, reviens par ici, reviens. Oh my God. On vous envoie pour le village chez vos grands-mères. T'en avais quitté d'ici pour parler, pour te dire. Il y a beaucoup de femmes, vous êtes dans le foyer comme ça, vous subissez ça. Vous subissez. Et ces personnes connaissent que vous êtes simple. Vos belles-mères vous connaissent. Parce qu'elles sont venues taper vos ventres. Elles savent qu'on t'a pris quand tu avais 23 ans. Elle sait peut-être que ta mère était morte. Donc elle connaît que tu n'as pas... Elle t'a vu grandir, non? Elle sait que tu n'as pas le sens. Je vous ai dit qu'allez créer les faux profils pour venir vous abonner sur ma page. Parce que quand elle va te voir sur la page, elle va connaître que tu connais déjà les choses. Voilà, Denis dit que on trouvait que tes femmes, les femmes que tu connais ne sont jamais parfaites pour toi. Sandra, tu peux venir travailler ici là pour 33 000. Toi, tu as beaucoup travaillé. Il faut venir travailler, il n'y a pas de problème. Viens. Viens travailler, après je vais te laver. Viens ici, tu arrives à la réception, tu dis que tu es venu travailler. Vraiment, moi je veux que... Écoutez-moi bien, parce que je sais qu'il y a des femmes ici là que votre foyer en dépend. Votre foyer dépend de ce que je suis en train de dire là. Et si vous regardez même en arrière, il y a les moments de votre vie où vous avez abandonné la bataille. Parce que vous n'étiez pas, il n'y avait pas le sens, il n'y avait pas. Vous savez qu'une personne, c'est la personne qui te parle. Ce que tu as dans ta vie, c'est la personne qui va venir te conseiller. Tu veux partir, la femme te dit que non, reste encore un peu. Tu veux partir, que non, reste, assois-toi là-bas. Lui-même, s'il va sortir, il va partir. Que soit lui-même va sortir, va partir de la maison-ci. Mais ce n'est pas toi. Toi, te voilà maintenant. On fait n'importe comment. On te fait la jalousie. Oh.
On te fait les sessions, tu es là. Tu es là. Pardon, on voit alors. Pardon, ouvre grandement la porte. Vraiment, moi, je ne vous comprends pas. Même Inès attrape la poule plus que vous. Entre là-bas dans tu mets, pardon. Tout ce que tu as dans ta vie et que tu conserves, c'est la personne qui te conseille. C'est la personne qui te conseille. Souvent, tu es trop sale, tu veux partir. Tu dis, je veux partir, je veux partir. Il suffit seulement que quelqu'un attrape ta main comme ça. Il dit que ma fille, tu sais quoi? Toi aussi, assois-toi. Tu t'assois. La pousse là, ça doit être une sorcière. Ouais, Seigneur. Je ne sais pas quel esprit cela dérange mes poules comme cela. Et parfois, tu as seulement besoin que quelqu'un te parle un peu. Ça te motive, ça te relance. Et quand ça te relance comme ça, là, tu pars, tu reprends la bataille. Parce que vos belles-sœurs la connaissent. Vos belles-sœurs qui ne veulent pas. Il y a une qui m'a dit même l'autre jour là que son mari a construit la maison. C'est sa belle-sœur qui gérait le chantier. Et dans le quartier, quand la belle-sœur construisait la maison, elle disait que c'est sa maison. Et la belle-sœur même encore cherchait la maison pour la deuxième femme qu'elle a donnée à son frère. C'est récemment que la femme a découvert que son mari, comme il est là comme ça, là, il a son deuxième foyer, pas loin du quartier. On manque de respect à la femme là jusqu'à ce n'est même pas bon. Il dit que toute manipulation qu'on a faite sur vos maris, on va annuler ça aujourd'hui au nom de Jésus. Toute troisième personne, parce que quand la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'unir à sa femme. Et ils vont devenir une chair. Ils vont devenir une chair. Et maintenant, il dit que personne ne vient séparer ce que Dieu a mis ensemble. Donc, quand vous voyez les gens venir vous affaiblir, ils viennent parler, écoutez. Vous avez le pouvoir. C'est parce que vous ne savez pas. Il y a des choses que tu fais, tu parles sur ton mari comme ça là. Si tu parles, il peut avoir la promotion au boulot. Pourquoi tu ne peux pas parler pour que son cœur revienne à toi? Tu te lèves un matin comme ça là, il t'énerve. Toi aussi tu l'énerves. Tu crois que ça sort de nulle part? L'homme qui marchait derrière toi, il te suppliait. Quand il prenait son salaire, il venait porter, il te donnait. Il te dit que voilà ce qu'il y a dans le compte bancaire, on fait comment? Aujourd'hui, tu ne le sens même plus. Tu es à la maison comme les étrangers. Oh. Je viens annuler tout verdict maléfique qu'on a donné sur vous. Que ce soit sur votre mari, que ce soit sur votre mariage, que ce soit sur vos enfants. Au nom de Jésus, je viens annuler. Et voilà ce que je vous ai demandé de faire. Celles qui ont fait, c'est bien. Celles qui n'ont pas fait, tant mieux pour vous. Vous prenez de l'eau. De l'eau, vous ouvrez. Prenez le sel. Je sais que quand je donne mon petit tout ça, vous simplifiez toujours. Je peux vous dire le nombre de personnes qui m'ont donné les rêves qu'ils ont fait. Et quand tu ne fais pas le rêve, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Parfois, Dieu va te montrer un rêve seulement pour te confirmer. Oh. Tu prends là, tu ouvres, tu déposes. Pour certains, ce sont les hommes que tu as décidé que je vais me marier. Ago Mariam. Certains, tu as décidé que je vais avoir mon foyer va être restauré. Tu ouvres le lot là, tu déposes. Psaume 35, tu lis. Tu parles que Seigneur, tu appelles le nom de ton mari ou le nom de ta femme. Toute manipulation qu'on est en train de faire sur ton cœur. Toute femme ou homme là-bas dehors qui te parle, qui te donne les paroles. Parfois ce sont les amis. Parfois ce sont les amis. Parfois ce sont les collègues au boulot, tu ne connais même pas. Le dehors est mauvais. C'est seulement Dieu qui nous protège. Je t'appelle. Qui que ce soit qui t'a pris, même si ce qu'il est arrivé, il dort maintenant que tous les jours chez l'autre femme. C'était d'abord ton mari, non? Voilà. Seigneur, je t'implore.
toute personne qui a fait que mon mari ne respecte plus ses... On précise bien où ma femme. Toute personne qui est venue manipuler le cœur, l'esprit. Toute boule maléfique qu'on a lancée dans ma maison. Souvent, c'est comme ça. Ils viennent, oh, je viens te visiter. Je vais dormir chez ta ingénie. Gna. Les sorciers comme ça. Ils viennent lancer des choses dans votre maison. Tout oiseau de nuit qu'on a envoyé, je déclare qu'avec l'eau, comme je fais ça dans ma maison aujourd'hui, je viens détrôner tout diable qui s'est assis dans ma maison. Tout homme fort, je l'attache. Selon Matthieu chapitre 13. Je l'attache. Chapitre 13, verset 24 à 29. Je viens déraciner tout ivraie qu'on a déposé dans ma maison, qui m'empêche d'être heureuse avec mon mari, qui m'empêche d'être heureuse avec ma femme. Je viens déterrer, je déterre, je viens lier maintenant. Je lis vos mains. Si tu connais les noms, parce qu'il y en a parmi vous que vos belles familles se sont prononcées, vos démons se sont prononcés. Ils vous ont dit que vous allez être heureux seulement sur mon cadavre. Voilà. Vous prononcez le nom. Que si effectivement tu bois l'eau pour vivre, toi, tu appelles Mangaku Chantal, voilà, tu appelles son nom. Que tu as dit que tu as détruit mon mariage. D'accord. Si effectivement tu bois l'eau aussi là pour vivre, mais même si tu es déjà mort, tu as gâté mon mari avant de mourir, je déclare. Comme je verse l'eau aussi et je bois un peu sur ça, tu ne vas plus jamais donner une parole qui va agir. Et j'annule toute parole négative. Toute alliance négative que tu es partie tisser contre moi et mon mari ou moi et ma femme. Tout talisman qu'on a enterré, il y a des gens qui viennent enterrer les choses dans vos maisons. J'insiste beaucoup là-dessus. Et parfois, ça va venir comme une petite idée. Que la personne qui est venue te visiter là. Quand la personne sort de ta maison, qu'elle est partie là. Pas tu verses le sel avec le jujube dans sa chambre là. Tu pries dans la chambre là. Tu brûles l'encens, tu ouvres les fenêtres. Tu prends l'eau là, tu verses ça au sol dans ta chambre, salon. Je ne peux pas vous dire le nombre de démons que les gens ont vu en rêve qui sortaient. Le plus récent, c'était ce matin. Une femme m'a écrit ce matin. Elle me dit qu'elle fait ça. Elle voit comment les hommes habillés en noir sont en train de sortir de sa maison par les fenêtres. L'autre vient enlever son matelas en bas de son propre matelas à elle-même. Il tire son matelas, il sort avec. Après qu'elle ait fait cette prière-ci, verser l'eau avec le psaume 35. 35, 37 et 91. Vous me déterrez tous les démons là. Vous les chassez de votre maison. Faites ceci régulièrement. C'est pour ça que vous devez purifier la maison avec les encens. Les trucs. Faites ça régulièrement à la maison. Je disais à la dame, c'est que je ne suis pas surprise que ce soit le lendemain du jour, elle a fini le jeûne. Elle a fait le tridoum avec nous. Dès qu'elle finit, problème avec le mari, jusqu'à il ferme la porte, il la laisse dehors. Toute la nuit. Parce que tu as touché le cœur des gens. Il y a quelque chose que tu as touché là. Ça les dérange. Le jeûne, là, c'était le feu. C'était le feu. Il ne peut pas supporter. Maintenant, tu vas aller finir. Tu vas mettre le coup fatal. Tu rentres, tu t'habilles bien. Tu ne peux pas même te coiffer encore. Tu cherches ton huile là qui sent bon là. Tu te oins bien le visage. Tu ne peux pas s'annoncer, tu te poses sur la table. Bonsoir chérie, même s'il ne parle pas. En préparant la nourriture, là, tu mets ton. Tu prends un peu le jujube là, tu mets dans trois jujubes dedans, tu mets. Tu lis le psaume 35. Chérie, comme tu manges comme ça là, tout ce qu'on a mis de mauvais dans ton corps, dans ton cœur. Il y a des gens qui donnent souvent la nourriture. Alors, une dame est venue ici une fois, elle me dit. Elle va. Son chéri très bloqué, maladie tout le temps. Et quelqu'un a un bon cœur, gentil. Oh Seigneur. Elle dit donc que chaque fois, elle vient de le rencontrer. Ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Et il déjà que il vient en Europe, mais tout le temps il vient ici, peut-être pour ses chantiers. Il prend les contrats, il vient ici, il fait ça, il construit les immeubles, je ne sais pas trop quoi. Donc il reste dans le meublé peut-être pendant 2 mois. Et quand il va manger chez sa soeur. Un jour, elle arrive chez la soeur de ce monsieur. La soeur donne la nourriture. Quand il est en train de manger, avant qu'il ne mange, vous avez pris que la serviette blanche pour le chien. Elle n'a pas acheté le chien, la serviette. Pourquoi elle m'a pas appelé pour me dire? Hein? Attends alors. Vous avez lavé le chien avec la serviette blanche. Vraiment, ce sont des chiens prochains. Elle voit la dame de poser la nourriture sur la table.
Elle dit que comme tu as servi ma part, c'est beaucoup. Je vais manger pour lui avec lui. Donc prends ma part, tu gardes, tu donnes nos enfants. La soeur refuse. La soeur refuse. Elle insiste, elle dit que non, laisse non, tata, ouais, je vais manger avec lui. Et elle dit qu'avant ça, son gars se plaignait trop de douleur au ventre. Elle insiste tellement, la soeur se fâche. À contre-cœur, elle les laisse manger. Elle dit que quand ils sont rentrés toute la nuit, là, eux deux, ils ont le même mal que son mari a souvent, son gars. Le lendemain, c'est fini. Et elle dit que chaque fois, il part toujours manger chez sa soeur. Et ce qu'il y a les hommes qu'on va dire, on s'est dit, non, c'est ma soeur, non. C'est ma soeur. Ta soeur qui n'est pas mariée, là. Ta soeur que tout ce qu'elle a dans sa maison, c'est toi qui as acheté. Hein? Les soeurs qui sont mariées avec leurs frères, là, laissez-les se marier. Hein? Laissez-les, vos frères se marier. Pardon, parle doucement, ma chérie. Vous devez scanner tous les gens, là. Vous les scannez tous. Tu restes comme ça, tu regardes. Tu deviens sage. Au début du mariage avec son frère ou avec son fils, elle venait pour être ton amie pour taper ton ventre et voir. Elle vient taper le ventre pour voir. Est-ce que tu pars quelque part? Il y a une autre qui était venue de l'Europe ici, là. Elle a fait deux jours ici, on l'a lavé. Elle me dit qu'elle était simpleton pendant au moins 15 ans de mariage. Dans la famille, c'était déjà que pendant le mariage, son mari allait faire l'enfant avec une autre femme de Rome, mais il est resté avec elle. Parce qu'elle est blague, elle s'est priée. Voilà, ils font les événements, ils invitent l'autre femme de dehors, on l'invite elle. Elle dit que vous avez menti. Donc elle arrive et la matin, sa belle-mère a vu qu'elle me suivait. Alors on s'est dit que quand tu la suis, tu fais quoi? Est-ce que tu fais ce qu'elle dit? Vous voulez voir, si elle fait, voulait voir le ventre de la fille. La femme a dit que vous avez menti. Vous avez menti. Et après elle me dit que quand elle a commencé à se laver avec le sel. Parce que sa belle-mère faisait genre, je suis innocente, moi, je ne connais même pas tout ça. Quand elle a commencé à se laver avec le sel, une de ses belles-sœurs est venue lui dire qu'il y a cela quelques années, ma mère m'a donné l'œuf. Elle m'a dit de parler sur l'œuf contre toi. Et elle me met à parler. Et après, je lui ai donné l'œuf, elle est partie avec. Vous voyez, c'est Dieu qui a permis qu'elle sache même un peu. Parce que Dieu ne va pas vous montrer tout. Il y a des choses que vous avez faites par la foi. Tu vas faire par la foi. Tu restes comme ça, ton cœur ne fait que battre un jar par rapport à telle belle-sœur. Chaque fois qu'elle vient chez toi, dès qu'elle arrive comme ça, le soir, là, tu réponds à ton mari. Parce qu'elle est venue pour renforcer ce qu'on lui a donné. Il y a certains trucs que ça ne faisait pas à distance. Il fallait qu'elle vienne pour déposer qu'elle sur place. Faites très attention. Hein. Écoutez, ne leur donnez pas le... Dites-leur le ho-ha. Vous avez peur d'eux. Vous avez peur d'eux. Tu vas protéger ta maison jusqu'à ce que tu leur fais comprendre que quand ça là c'est ma maison. Et votre frère va rester chez moi. Il va rester. Et votre ça ne leur plaît pas. Ils partent, ils sautent. Attendez-le là-bas chez vous. Attendez-le là-bas. Mais le périmètre ici là, c'est pour moi. Tu prends auto. C'est pour ça que tu vois, c'est bien que quand le chien arrive quelque part, il va pisser partout. Vous étiez bêtetons avant. Et c'est ma belle-sœur, non? Tu prends ses enfants, tu mets à la maison. Le voilà, il fait tout, il fait pour toi, il fait pour ses enfants. Il fait tout pour toi, il fait pour ses neveux. Voilà, rentrez. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez-moi ça. On aide dans la mesure du possible. On aide dans la mesure du possible. Bonjour, Michel Foyette. Parce qu'il y en a que quand vous êtes arrivé dans leur famille, vous étiez une petite fille comme ça là. 10 ans plus tard, tu commences à, tu mûris. Certains de tes belles-sœurs veulent toujours montrer que, alors que leur frère est déjà en train de monter, son argent augmente et tu es sa femme. On ne va pas t'empêcher de profiter de l'argent de ton mari. Excusez-moi, c'est un peu le club santé. Ce sont ses soeurs, toi tu es sa femme. Arrêtez-moi les choses là. Hop. Vous voulez faire la concurrence avec moi? Je suis la femme de votre frère. Vous devez connaître votre nom. S'il s'appelle Fouillette, tu t'appelles Madame Fouillette. Quand il est malade, là, il faut l'amener à l'hôpital la nuit à 3h, c'est toi qui l'amènes. Quand il faut préparer sa nourriture, c'est toi qui prépare, ma chérie. Donc, vous devez connaître votre place. Quand il rentrait parce qu'il stressait par rapport à tel contrat, c'était qui rêvait la nuit? C'était toi, non? Donc, tu récoltes un peu ce que toi, tu as semé. Récolte un peu, ma chérie, c'est quoi? Oh, quelqu'un va venir parce qu'on amène une pampampée.
Parce qu'elle arrive, elle a fait deux enfants. Même si tu n'as pas d'enfant, ma chérie. Il y a certains d'entre vous que ton mari ne peut pas se permettre de te laisser. Il n'a fille. Il ne peut pas. Tu es son souffle d'air. Si ça existe même. Ou c'est souffle de vie, si c'est quoi. En tout cas, vous avez compris ce qu'il voulait dire. Mon français, vous avez seulement que m'écouter. Il sait que quand il rentre, il a un nouveau contrat comme ça. Là. Dès qu'il entend, il danse un peu, il ne connaît pas. Dès qu'il vient, il te montre, tu l'encourages. Tu pars en ligne la nuit sur Google, tu fais les recherches, tu fais les recherches. Tu donnes 5 numéros le matin qu'il appelle. Il trouve la marchandise, il donne au fournisseur. Pam, 25 millions est tombé. Tu crois que c'est Sandrine de dehors là qui peut te donner ça? C'est Laetitia ou c'est Pamela? Certains hommes, souvent, ils deviennent un peu bêtes. Vous allez leur rafraîchir la mémoire. Vous allez leur rafraîchir la mémoire. Que quand on dit que la maman, tu es la reine mère. Queen Moda, mon frère. Pardon. T'avais ça. On fait souvent ça, tu es dans ça, tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Et comme lui aussi, il fait, il parle, il met au-dessus. Tu vas lui rafraîchir la mémoire. Il fait, tu restes comme ça. Que non, elle va partir. Ils font leur réunion entre eux là. Est-ce que tu te casses? Tu rentres, tu dis, oh, vous avez fini, je te donne à manger. Bon, moi, je vais pas me coucher. Hein. Chérie, tu finis, tu me trouves dans la chambre. Oui. Oui, oui, je vous dis. Comme vous croyez qu'il ne pratique pas sur vous là. Il pratique sur vous. Maintenant, vous allez vous lever. Et certains d'entre vous, les femmes là, vous avez la puissance. Écoutez. Vous êtes puissante. Tu crois que comme ton mari est en train de prospérer là, c'est la puissance de qui? C'est ta puissance, ma chérie. Quand tu deviens un avec un homme là, tu lui transfères tes pouvoirs. Il suffit que tu fasses un jeûne de 3 jours pour lui, comme si il décoche 2 contrats, pam! Vous allez toller la maison. Il va te dire que c'est son agent seul. Arrêtez. Je veux que tu peux reprenez vos esprits. Vous étiez dans les vapes là, vous allez vous lever maintenant. Parce que l'heure ici là, on est dans l'heure de la bataille. Quand ils arrivent d'abord avec la bouche, vous les tapez. Dans les rêves, vous les tapez. Vous prenez votre, vous versez à la maison, vous les tapez avec ça encore. Le marabout va leur dire que non, la fille là, il y a quelque chose. Oui, est-ce que la fille là qui parle sur Facebook là, oui. Créez 5 profils, vous me suivez avec. Il est parti où? C'est vous qui avez ouvert pour chasser les coqs là, vous riez. Parce que la porte s'était fermée toute la nuit. Et vous, on a ouvert ça seulement avant que les deux s'entrent. Vous allez courir dans toute la concession si vous me cherchez les deux coca. Je ne sais pas, il faut fouiller là-bas. J'espère que ça entre dans l'oreille de quelqu'un et que ça t'a fortifié. J'espère que ce que j'ai dit là, ça a fait que tu as rangé tes idées dans la tête. Tu vois, tu vas décorer une maison, tu mets les rideaux, tu mets ceci, tu mets ça. Après, tu laisses, tu pars. Tu laisses à qui? Tu laisses à qui? Les assiettes qui a accusé, c'est toi qui as mis. Les mamites, c'est toi qui as mis. La cour, je connais comment on a fait, comment on a dallé la cour. Comment on a fait pour faire la barrière? Comment on a fait pour faire ceci? Ouf. Tu pars que tu pars où? On m'a dit, c'est le caterpillar qui va venir m'enlever d'ici. Le caterpillar. Votre bataille n'est pas avec votre mari. Hein. Ce n'est pas avec lui que vous battez. Il y a les forces qui veulent le manipuler. Mais ils ont menti. Parce que dès qu'une femme se lève, dès que ton esprit se lève, prière de minuit et 3 heures, mof, l'esprit lui-même va te réveiller. Tu pars dans la douche, tu engages les prières. Tu parles. Tu finis, tu viens te coucher, tu dors. C'est-à-dire que tu ne pars nulle part. Ta maison va se restaurer, ma chérie. Et l'argent encore va entrer même plus qu'avant. Votre argent va entrer plus que ce n'était avant. Voilà, on fait comme ça pour que tu pars, tu le laisses. Après, il va commencer à, oh, l'argent, oh, ça fait comme ça, là, oh. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand leurs frères sont heureux. Hein. On attend que la femme parte de moi pour dire que voilà, on lui avait dit. On lui avait dit, il pousser la femme là, non. Qu'elle allait le ruiner. Non, c'est vous qui l'avez ruiné. Bonjour. Ok, bon, laissez-moi aller faire le travail de la dame.
Donc vous passez une bonne journée. Vous avez votre direct, non? Tout ce que je veux, c'est que vous devenez sage. Tu ne peux pas commencer quelque chose. Et c'est toujours à la veille du bonheur que tu as le plus d'adversité. Que tu as le plus d'adversité. Et quand tu restes comme ça, toute ta tête est chamboulée. Tu veux laisser, tu veux laisser, tu dis comme ça. 2 mois plus tard, tu es resté. Maman, il dit chérie, c'est la prière. On ne prie pas avant de partir dormir. Tu le regardes comme ça, tu dis que l'homme que je voulais laisser. Maman. Certains d'entre eux, on les a déjà mis dans les trous, on les a attachés. On l'a attaché comme ça là. On a dit qu'il ne va rien faire dans sa vie. Tu viens, tu commences les batailles, tu plonges les pieds, tu fais que descendre, tu le tires, tu le tires. Une femme m'a envoyé son mari l'autre jour, non, à Biaoundé. J'arrive, je vois au milieu de toutes les femmes, c'est là, un homme arrive. C'est après que sa femme vient le lendemain, elle dit que c'est moi, j'ai cherché à lui donner. Puis il fut une époque, il me tapait beaucoup, il tapait beaucoup sur moi. J'ai prié, jusqu'à maintenant, il a arrêté. Je lui ai dit que l'homme que j'ai vu là, l'homme là écoute, il écoute. Il écoute. Même s'il n'écoute pas pour l'instant, ma chérie, ta bouche est là pourquoi? Au début de votre relation, il t'écoutait, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas? On est venu entrer dans son cœur. On est venu mettre les trucs dans son cœur, non? Tu vas retirer ça, ma chérie. Tu vas retirer. Tu mets sa photo, tu mets la bougie de là-bas. Tu parles. Tu mets sur le sel à côté, comme ça, là. Daniel Jean Bosco, je te bénis. Quelle que soit la personne qui est partie t'envoûter, je te désenvoûte au nom de Jésus. Tu as décidé que tu devais t'unir à moi. Tu es parti devant les hommes, devant. Tu es parti dans mon village. Tu as monté les collines de Badjoun. Tu as dit que tu m'aimais. Tanya Jean Bosco, tu reviens. Je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un ici. Oh, désolé. Tu dis que Tanya Jean Bosco, tu vas revenir. Tu reviens. Même si on a pris ton esprit, on t'a enfermé n'importe où. S'il y a n'importe quoi dans moi qui te rejette pour l'instant, que tu fais que ça te chasse, je retire par ce lavage au nom de Jésus. Je nous unis à nouveau. Je mets la paix dans notre foyer. En préparant sa nourriture, tu parles sur la nourriture là. Tu bénis l'huile d'olive là, tu verses dans la nourriture. Comme il verse comme ça, ça va apaiser ton cœur. S'il y a les poisons qu'on a mis dans ton corps, la nourriture qu'on t'a donnée dans ta famille, tu as mangé n'importe où, même si c'est tes amis. Je te libère. Je te libère de toute prison dans laquelle on t'a mis. Je te restaure maintenant. Je mets la paix dans notre maison. Je mets la paix dans notre maison. J'enlève la maladie. J'enlève la pauvreté. Je déclare qu'on est unis, toi et moi. Même s'il ne dort pas à la maison le jour-là. Oui. Toute personne qui t'a parlé mal de moi, toute personne qui est partie te dire des mensonges de moi, je change cela. Seigneur, tu connais mon cœur avec mon mari. Seigneur, tu connais que j'ai toujours aimé cet homme. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. C'est le papa qui est en haut là qui fait tout. Seigneur, tu connais comment j'ai assisté l'homme. Tu connais comment je l'ai aimé. Tu connais, Seigneur. Même s'il est n'importe où qu'on l'a chassé de ma maison. Seigneur, c'est notre maison qu'on a construite ensemble. Qu'il revienne, Seigneur. Seigneur, je t'implore. Tu fais ça, tu tapes le jeune sur ça. Midi, tu pries. Minuit, tu pries. Une jeune fille est venue ici l'autre jour. Je la vois avec l'habit noir. Hier. Yeah. Elle dit que c'est quoi? Maman. Quand quelqu'un veut la doter, il meurt seulement. Quand quelqu'un veut la doter, il meurt. Elle dit que son fiancé est mort. Habit noir. Vous allez enlever toutes les malédictions là sur vous. Vous-même, hein. Je sais que quand ils parlent mes choses, vous dites que wow, wow. On vous a déjà appelé même petit marabout. Écoutez, ils n'ont pas encore parlé. Ils n'ont pas encore parlé. Il y a les gens qui manipulent la volonté d'autres personnes. On manipule la volonté de ton gars. Ils te voient, ils t'aiment. Wow, j'arrive, il part en bain. Il arrive là-bas. Wow, c'est comme si son cœur t'a détesté. Alors que quand il était ici là, maman. Hey. Les 2 semaines qu'il a fait, il était avec toi tous les jours. Il est parti voir ta famille. J'arrive la mère. Maman, j'arrive. Je vais venir, on va finaliser tout avec ta fille. Ha, wow, wow. Comment il rentre comme ça, là, on est parti.
Ma chérie, lève-toi. Lève-toi. Quand quelqu'un vient ici pour que je le lave, j'aime quand ta foi d'abord s'est levée, que tu m'as d'abord bien écouté. Tu arrives ici, là, c'est le feu. En fait, c'est des mêmes étincelles qui sortent. Oui. Certaines personnes sont venues ici, n'ont rien eu. Certaines sont venues ici, là, elles sont parties construire des meubles. Parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient chercher. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas pressés pour la consultation. Écoutez mes vidéos, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais quelque part. Je vous montre quelque chose. Je vous enseigne pas seulement de dépendre de moi, de mes produits. Je t'enseigne que si c'est à minuit, avant de me dire le matin que, wow, tu sais quoi, j'avais fait comme ça dans la nuit, que toi-même tu t'es levé. Tu as les outils. Ça fait comme ça, tu prends le sel, tu verses. Tu prends le jujube, tu verses. Tu prends l'huile, tu verses. Tu parles. Et qui vous peut? Qui vous peut? On a dit que personne n'allait jamais se marier dans votre famille, non. Vous allez vous marier. Vous allez rester dans votre mariage. Et vous allez avoir l'argent, vous deux. C'est moi qui ai dit. Parce qu'il veut seulement attaquer votre foi. On sait que dès que ta foi est attaquée, tu es abattu. Tu es comme un chien abattu. On te voit, on s'attire comme si tu es quelqu'un qui est malade, que tu as la typhoïde, que ça fait 5 mois que la typhoïde te met à terre. Tu as maigri, fatigué, tes yeux sont assortis. Alors que dès qu'ils arrivent chez toi comme ça là, allez, oui, c'est comment, oui, ça va, oui, oui, oui. Ton mari est où? Non, il est sorti. Alors que ton mari est chez elle, elle a mal parlé à ton mari jusqu'à, c'est ta belle-sœur. Quand il est arrivé à la maison, elle a dit que reste même ici 2 jours. Elle venait pour te tester. Que non, il est parti ou non, il est là, il arrive, ouais, ça fait seulement 8, ça fait 2 jours, bon, il arrive. Elle vient un peu pour taper ton ventre. Tu dis, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez, les enfants, on va à la piscine. Elle va s'étonner que, mais la femme, si. Hey. Il n'a même pas décroché tes appels depuis. Il ne t'a pas répondu depuis. Parce que, écoutez, vous êtes dans les nids de manipulateurs. Vous êtes dans les nids de manipulateurs. Et généralement, votre mal ne vient pas de loin. Votre mal ne vient pas de loin. Je commande que toute personne qui vous manipulait ou qui manipulait votre conjoint soit exposée au nom de Jésus. Que tout hypocrite autour de vous, qui est la source de votre mal, qui vienne confesser dans les 7 jours qui arrivent au nom de Jésus. Et je vous soulève, je vous relève toute personne qui vous a mis à terre avec ses paroles, en vous décourageant, en vous donnant un mensonge. Ton gars vient lui dire, oh, je vais épouser, j'ai envie d'épouser Christelle. Je veux l'épouser. Et elle sait qu'il vient de porter un 5 millions quelque part. Et comme elle voulait qu'il finance son business, il faut qu'elle le décourage pour qu'il ne t'épouse pas. Pour qu'il prenne les millions là pour mettre son business à elle. Hey, les gens sont méchants. Hey, hey, hey. L'homme est méchant. Lâche. Elle parle, elle parle. Finalement, il vient te voir le soir. Il dit que chérie, tu sais quoi? Il faut qu'on remette le mariage maintenant dans 6 mois. Pourquoi on veut se marier maintenant? Quelqu'un a touché, quelqu'un a attaqué quelque part. Quelqu'un est venu parler. Je vous dis que s'il y avait n'importe quoi qu'on avait mis sur vous, peu importe votre âge. Il y a une qui m'a donné son témoignage, non? Elle est bien, elle est à moins 45 ans. Je l'ai lavé en avril. Je fais son lavage. Elle me dit que dès qu'on avait son 4 mai, son mari, son fiancé se lève. Ça fait 9 ans qu'ils vivent ensemble. Il se lève bien, il dit, voilà, on va se marier. Lui-même, il part sur les papiers, le site de la commune. Il fait l'enregistrement, tout. On donne le rendez-vous après 6 semaines. Il sort les billets d'invitation, lui-même, hein, tout, lui-même. Ils se sont mariés en juin, puisque m'avait envoyé que maman, je suis maintenant madame, oh, oh, je suis mariée. Oh. Il dit que c'est lui-même qui va vous pousser, que machin, on doit faire l'affaire là. Soit toi-même, tu vas dire, quand tu vas dire comme ça, il va être d'accord jusqu'à. J'enlève toute embûche. Toute personne qui bloquait votre fiancé, votre mari, pour qu'il ne soit en harmonie avec vous, pour qu'il ne se marie avec vous, pour qu'il ne finalise ou concrétise un projet que vous avez ensemble. Parfois, il te promet même, oh, je vais ouvrir ta boutique. Oh, papa. Comme il t'a promis comme ça, là, voilà les soeurs qui arrivent. Oh, mes enfants, la rentrée. Oh, gna gna gna. Oh, gna 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 gna. Il prend l'argent, il peut mettre sur ça. Tu es la femme de ton gars, ma chérie. C'est toi qui lui fais plaisir, puisque, écoute, quand tu arrives, qui rentre le soir, il parle avec qui?
Il parle, il dit, mais vous parlez de quoi? Vous êtes la personne la plus importante de sa vie. Hein? Je viens annuler toute manipulation du cœur de vos maris et de vos femmes au nom de Jésus. Toute personne, que ce soit un homme à l'extérieur qui est en train de manipuler ta femme, je déclare que j'annule les paroles qu'on a dit à ta femme pour la détourner au nom de Jésus. Ta femme gérait souvent tes magasins. Voilà, je n'ai pas suivi dans aucun de tes magasins. Elle t'observe, elle dit qu'elle veut te voir chuter. Parce qu'on est venu parler dans son cœur. On est venu, quelqu'un est venu parler. Que voilà, il t'a trempé. Voilà, pop, elle a laissé tout. Elle a laissé tout. Je vous ai dit, il y a les lavages. Fais les lavages de vos maris. Fais les lavages de vos femmes. Je ne sais pas trop. Fais les lavages à distance. N'hésitez même pas, ne blaguez pas. Il vient détruire toute manipulation sur vous-même, même si vous m'écoutez, et c'est vous qui êtes manipulé. Je déclare que vos yeux s'ouvrent. Je déclare que la lumière est faite sur toute manipulation qui a été faite sur vous. Au nom de Jésus. Toute personne qui vous a manipulé pour prendre votre argent, pour prendre peut-être vos terrains, pour prendre de vous. Je déclare que cette personne est exposée. Et que vous voyez son vrai visage au nom de Jésus. Toute personne qui a gâté vos mariages, gâté vos relations. Je viens restaurer maintenant tout ce qui a été gâté par l'ennemi. La Bible dit que le diable vient pour égorger, pour voler et pour détruire. Tout ce qui a été détruit dans votre vie, je commande la restauration au nom de Jésus. La Bible dit que je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Je dépose l'abondance sur vous. Je déclare que vous devez maintenant sage. J'enlève tout esprit de bêtise en vous. Je déclare qu'on n'est plus bête. Qu'on ne vous utilise plus, on ne vous manipule plus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous avez maintenant reçu votre dose. Tout ce que j'avais à dire, j'ai dit. Ok. Ceux qui veulent faire le lavage, vous allez envoyer la photo sur WhatsApp. Ok, je vois là-bas. Photo et nom de la personne. Je suis d'accord pour que vous puissiez restaurer ce qui a été volé. Et que vous puissiez demander ce que vous voulez. Mais ne venez pas déclarer que la femme de telle personne va m'aimer. Je ne suis pas là-dedans. Donc je scelle ceci par le sang de Jésus-Christ. Amen. Toute personne qui vous avait affaibli, tout esprit qui était affaibli, je déclare que vous êtes fortifié. Vous vous levez après ce direct au nom de Jésus. Voilà. Vous vous levez de tout trou. Vous vous levez. Tout trou dans lequel vous avez déposé. Les incantations qui étaient parties faire pour vous attacher, pour vous lier. Je vous détache au nom de Jésus. Voilà. Soyez bénis. Ceux qui veulent toujours vendre mes produits, Douala Yaoundé, contactez-moi. Pour les lavages aussi, vous nous contactez. Vous passez une très bonne journée.